et sœurs, bienvenue dans votre émission. Il est minuit dans l'horloge de Dieu. Il est 20h30, heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Ta grâce est répandue sur ton peuple. Seigneur, nous te confions cette soirée. Au nom de Yeshua, conduis-nous. En ton nom, nous prions, Seigneur, notre Dieu. Amen. Voilà, donc je suis avec Philippe ce soir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Quoi de neuf? Le Seigneur continue d'agir dans ma vie, en tout cas. Je grandis au fur et à mesure. Je me vois un peu au début de ma conversion et aujourd'hui, je me dis waouh. Il y a un grand changement. Je pouvais rater le ciel. Ouais. Et maintenant, je m'accroche. Tu t'en rends compte? Ah, c'est terrible. Waouh. C'est une joie. Et tes collègues, tes amis, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce qui est étonnant, c'est que au travail, je ne parle pas forcément tout le temps de ma foi. D'accord. Mais les gens me disent, surtout ceux qui travaillent avec moi, me disent, mais qu'est-ce que vous êtes différent? Ah ouais? Qu'est-ce que vous êtes différent? Vous dégagez une paix. Je suis toujours surpris d'entendre ça. Mais jamais stressé. Vous n'êtes jamais stressé alors qu'il y a... Parce qu'en fait, j'ai travaillé dernièrement dans une entreprise où quelqu'un s'est suicidé à cause du stress. Ah bon? Ouais, ça m'a vraiment surpris. Tu travailles dans quoi exactement là? Je suis dans l'informatique, je suis chef de projet. D'accord. Ouais. Et donc, je suis en fait consultant SS2I. D'accord. Et donc, j'étais dans un milieu où vraiment il y avait beaucoup de stress. Mm-hmm. Mais je ne comprenais pas moi-même, je n'avais pas du tout le stress. D'accord. De temps en temps, quand je me retrouvais tout seul, je sortais ma Bible, je D'accord. lisais, et c'est ça qui me conduit. Et les gens ne comprenaient pas, bien sûr. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il a comme qu'est-ce ça qu'il se passe? Ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui est là, c'est pas moi. Moi, je garde, je sais en qui j'ai cru, quoi. Voilà, je Alléluia. Garde cette paix. Tu sais en qui tu as cru. Voilà, exactement. Alléluia. Donc, justement, on va prendre ce passage-là dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Si l'équipe peut nous aider. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 12. Voilà. Donc, Philippe a dit qu'il sait en qui il a cru. Alors, on va aller voir ce passage-là. Donc, l'équipe, je ne sais pas si on peut avoir un retour ici au niveau de l'écran. Pour pouvoir lire ce passage-là, parce que c'est un passage qui est quand même assez puissant. Voilà, 2 Timothée, chapitre 1, le verset 12. Merci l'équipe pour votre mobilisation. Je crois que les gens chez eux, ils voient cet écran, c'est ça, hein? Le retour, merci. Donc, je ne sais pas si Philippe peut nous lire. Hein. Bah, tu peux même commencer à partir du verset 1, si c'est possible. Hein. Donc, tu as l'écran, si tu veux, c'est beaucoup plus facile pour toi. Ouais, voilà. Je commence par le verset, le premier. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon fils bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul encourage Timothée à souffrir les afflictions de l'Évangile. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes prières nuit et jour. Me souvenant de tes larmes, j'ai un très vif désir de te voir afin d'être rempli de joie. Et me souvenant de la foi sincère qui est en toi, et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et Eunice, et en Eunice, ta mère, et qui j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, qui suis son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres,
mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui maintenant a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Waouh! Voilà, donc c'est ce que tu as, c'est la parole que tu as sortie, hein, que tu as dite tout à l'heure. Amen. Et ce passage est revenu à mon esprit. Le Seigneur me l'a communiqué, hein, passé, donné. Et surtout qu'hier, on en parlait avec un frère. Et Paul, ici, justement, disait qu'il connaît, hein, qu'il connaissait celui en qui il avait cru. Et il disait qu'il était persuadé que Yeshua, notre Seigneur, était et assez puissant pour garder son dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors, on va juste, on a fait un petit commentaire là sur le mot dépôt. On va juste cliquer dessus pour savoir ce que c'est, hein, pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas forcément ce que c'est. Donc, il est question ici, bien sûr, de la connaissance correcte et de la pure doctrine de l'Évangile. Amen. Qui doit être fermement et fidèlement gardée et qui doit être consciencieusement délivrée aux autres. Voilà le dépôt. Donc, et c'est vrai que Paul, quand il écrit cette lettre, cet épître, mes bien-aimés, il était en prison. Je ne sais pas si tu le savais, Philippe. Donc, il était en prison, il était un vieillard, et il semblerait que cet épître serait la dernière lettre de Paul. Et il savait que son départ était proche, et il va exhorter son fils dans la foi, Timothée, qu'il aimait beaucoup, et il va l'inviter à persévérer, à continuer le chemin jusqu'au retour du Seigneur. Et Paul parle justement du dépôt. C'est vrai que c'est pas facile. Nous sommes dans une génération, dans un temps où il y a tellement de tentations, tellement de conflits, de problèmes. Et alors, si le Seigneur ne nous aide pas pour que nous gardions nos dépôts jusqu'à la fin, ben personne ne sera sauvé. Et heureusement que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. Donc, et il faut vraiment connaître celui en qui nous avons cru pour ne pas justement tomber, pour ne pas baisser les bras. Ouais. Voilà. Et ce soir, on voulait juste partager un peu, se laisser guider par le Seigneur et aussi encourager les frères et sœurs aussi à prier beaucoup pour la RDC. La RDC. Ouais. Ah là là. Tellement beaucoup à dire sur ce pays. Qu'est-ce que tu as à dire un peu là? En fait, moi, je dis souvent, Dieu m'a fait grâce en fait. Ça fait maintenant 3 décennies que je suis ici en France. Mmh. J'aime ce pays et je rends grâce à Dieu d'être ici parce que je me sens vraiment totalement français. Mmh. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Mmh. Et j'ai une grande compassion de ce qui se passe dans mon pays. Comme Néhémie, comme Esdras, voilà. Comme Donc, à chaque fois que je pense au pays, la RDC, je me dis comment ça se fait que depuis toutes ces années, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Mmh. Il n'y a rien qui a évolué. Au contraire, les choses vont de mal en pis. Mmh. Et surtout, si seulement c'était que la pauvreté, mais c'est surtout les atrocités. J'ai comme l'impression que à chaque fois que je me suis levé un jour, parce que il y a eu que ça soit des attentats, des choses comme ça, une minute de silence, parfois je suis révolté de me dire que dans ce pays où se vit des massacres pas possibles, mais personne ne se lève. Aucun média pratiquement n'en parle. Personne n'en parle. C'est révoltant. On a l'impression que c'est juste une lettre à la poste. C'est pas des êtres humains, en fait, qui meurent. Voilà. Personne n'en parle. C'est pas des centaines, c'est pas des milliers. C'est des millions. C'est des millions de morts. Des millions de morts. Et comment sont-ils morts? C'est de manière atroce. Mais personne n'en parle. C'est ça qui est révoltant. Même si on est chrétien, parfois je me dis, Seigneur, jusqu'à combien de morts faut-il, Seigneur, pour que vraiment tu puisses agir dans ce pays? Et parfois je prie comme ça là. Parfois je me dis, faut-il
envoyer ces images que j'ai, parce que j'ai des images à la maison qui sont atroces à regarder. Alors moi, je te propose justement, parce qu'on ne peut pas rester effectivement bouche bée, on peut pas rester indifférent face à toutes ces atrocités, ces tueries, que ce soit en Afrique ou notamment au Congo RDC ou dans le reste des nations, du monde, comme en Syrie, on va souvent parler. Et c'est vrai que moi, je te conseillerais, je te proposerais, si tu veux, amène ces images. Hein. Demain, on pourra. Je vais t'en ramener. Même parfois, quand je décris aux gens, ils me disent, mais arrête de décrire. Parce que comment tu peux imaginer un bébé que l'on met dans un mortier et qu'on va utiliser le pilon. Ouais, comme quand on faisait, comme on fait du pondou chez nous. Un bébé. Pondou, le fait de manioc. Quoi. Oui, et ses parents sont là. Les piles, tout ça. C'est terrible. C'est terrible de voir des bébés de 3 mois avec une hache sur le crâne. Une hache sur le crâne. Ce sont des images qui existent et personne n'en parle. C'est incroyable que personne ne se lève pour dire que dans ce coin de la planète, on est en train de faire un génocide. Ça fait des années que ça dure. Au moment où nous parlons, ça continue. Et ce qui est quand même assez paradoxal et révoltant, c'est que il y a justement le contingent de casques bleus, le plus important du monde, hein, dans ce coin ils sont pays. À peu près 12 000. J'ai appris qu'ils étaient à peu près 18 000. En fait, dans toute la RDC, ils sont 20 000. À l'est, ils sont 12 000. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Honnêtement, ce serait moi, je prierais au moins qu'on les vire tous, qu'on les chasse carrément de là, parce que ce sont des gens qui viennent exploiter le peuple, que le Seigneur nous aide, parce que honnêtement, mes amis, vous savez, nous on n'est pas là pour faire de la politique, mais en tant que chrétien, on ne peut pas rester là indifférent. On ne peut pas rester indifférent. C'est pas possible. Soit on est chrétien et on prend position pour la vérité, on défend les pauvres comme la parole le dit, soit on ne l'est pas et puis on ferme la bouche. On ne peut pas laisser non plus aux inconvertis, à certaines personnes inconverties, de prendre position pour la justice, je veux dire. Alors que nous sommes chrétiens, nous sommes déclarés justes par le sang grâce au sang de Jésus-Christ. Et nous devons, bien sûr, prendre position pour la vérité et dénoncer toutes ces atrocités parce que ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas tenable. Et dans les Écritures, on en a souvent parlé, des gens comme Esdras, comme Néhémie, Daniel, qui étaient à l'extérieur de leur pays et qui ont beaucoup pleuré, hein, qui ont gémi, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, hein, d'entre nous, et qui gémissent pour leur nation. Il y a aussi des Français qui gémissent pour la France, bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe. Et en fait, globalement, le peuple, les hommes pleurent. Nous sommes dans une génération où les habitants du monde, les humains pleurent parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Et c'est vrai que demain, si le Seigneur permet, ce serait bien qu'on puisse avoir cette émission spéciale sur de nouveau, hein, sur la RDC, où on va montrer toutes ces atrocités et dénoncer toutes ces exactions. Parce que les femmes qui sont éventrées avec des bébés, on sort des fœtus. Ah, c'est incroyable. C'est surtout le fait, c'est ce silence qui m'étonne. Aucun média n'en parle. C'est comme si la RDC, en fait, c'était un pays qui n'existait pas. Il ne faut pas en parler. Demain, il y a Didasco, me fait signe, effectivement. Mais je pense que c'est demain et mercredi. Je pense que jeudi, quand il n'y a pas de Didasco, on pourra éventuellement avoir une émission spéciale sur ce qui se passe au Congo RDC. Parce que je ne vous cache pas, mes amis, étant français d'origine congolaise, je suis personnellement très touché par ce qui se passe dans ce pays, dans mon pays d'origine. Comme je le disais, comme Miché a pu pleurer comme Néhémie a pu pleurer pour son pays, Esdras, tout ça également, ça fait mal de voir nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos enfants, qui subissent un tel sort. Et personne, effectivement, n'en parle, ce qui est quand même assez étonnant, quoi. C'est quand même révoltant. C'est révoltant. Et je me dis, mais les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme s'il y a un complot. C'est ça. Hein, donc, ça. Une organisation qui a été mise en place, des hommes qui ont une vision bien définie pour détruire, éliminer, raser ce peuple, cette nation. Et ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle que Frantz Fanon, qui est décédé maintenant, en fait, qui est un auteur martiniquais, qui avait écrit, il disait que l'Afrique ressemble à un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ça veut dire que celui qui tient le Congo tient l'Afrique.
Donc, quand on imagine ça, on peut comprendre pourquoi le Congo est toujours sous domination étrangère. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce pays. Il y a tellement tout que le Congo a été appelé scandale géologique. Si nous utilisons les téléphones portables aujourd'hui, nous savons que c'est grâce au Congo. Et donc, je pense que ces médias qui sont contrôlés par ces multinationales se disent que si on commence trop à parler de ce qui se passe là-bas, ben, il y aura peut-être plus de coltan vendu au prix dérisoire qu'il est vendu actuellement. Par conséquent, il y aura plus de téléphones portables que nous aimons. Il y aura peut-être plus des ordinateurs. Et ces multinationales ne vont plus nous soutenir. Donc, je pense qu'il y a tout ça derrière. Ces médias, en tout cas, sont complices. C'est sûr. Voilà. Et puis, dans ces zones où sont massacrés ces gens, le sous-sol de ces zones-là, on sait que ces sous-sols regorgent des richesses. Donc, du coup, les massacres sont perpétrés vraiment à bon escient. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'après, il n'y aura plus personne. La seule façon de pouvoir utiliser, exploiter ce sous-sol, eh ben, c'est que les gens qui y habitent soient partis. Voilà, disparaissent. Et donc, en fait, c'est la cupidité de l'homme. Mais seulement à quel prix? À quel prix? Ce qui m'étonne, c'est de À voir quel aussi prix? les Africains qui s'entretuent comme ça entre eux-mêmes. C'est quand même assez paradoxal. Tu vois pas des Chinois s'entretuer comme ça, tu ne vois pas des Européens s'entretuer comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la guerre, les deux premières guerres mondiales, mais c'est quand même assez étonnant au XXIe siècle de voir des gens, des Africains, et qui se disent ministres, présidents, généraux, colonels, tout ce que l'on veut, et qui s'entretuent et qui tuent leurs frères, qui tuent leurs sœurs, qui tuent leurs parents, qui... C'est quand même tout ça pourquoi pour n'est-ce pas pour des bouts de terre, pour de l'argent, pour des Ah, choses qui ne vont même pas emporter avec eux à la tombe. Et c'est quand même terrible quoi, c'est révoltant mes amis. Nous avons vraiment intérêt à prier. C'est vrai que les Écritures nous disent en même temps que c'est des choses qui doivent arriver. Hein, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 24 que avant son retour, une nation s'élèverait contre une autre nation, que des familles seraient complètement brisées, disloquées. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais c'est révoltant, c'est révoltant. Et nous crions que le Seigneur vraiment revienne nous chercher parce que on n'en peut plus. On est à la fin quand on voit ce qui se passe et tout ça là. Et on est à la fin. D'ailleurs, demain soir et mercredi soir, et ces deux soirées, n'est-ce pas, où il y aura deux enseignements sur le gouvernement mondial, sur la fin de temps. On va beaucoup parler sur certainement hein, ce qui se passe aussi au Congo, ce qui se passe en Syrie. On va parler du gouvernement mondial. On va parler de l'élection de Trump aussi, parce que les informations que nous avons actuellement, c'est des événements qui se passent dans les nations, confirment la prophétie biblique, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc je parle de la prophétie biblique avec un grand P, et c'est-à-dire les prophéties que les prophètes juifs ont reçues, comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme Daniel. Et sur la fin de temps, sur le retour du Machia, sur le gouvernement mondial, et aussi la vision de Nebuchadnezzar, ou encore Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Tout ça, donc on va développer ces choses-là demain soir et mercredi soir. Et on est vraiment à la fin. Je ressens dans mon cœur vraiment cette tristesse du Seigneur face à toutes ces impunités, ces massacres. Ah Et oui. cette cupidité qui pousse les hommes à s'entretuer, à tuer leurs frères, à tuer leurs parents, à tuer leur population et pour une richesse superficielle, Ah, c'est ça. hein, donc passagère. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est terrible. Donc et c'est pour cela justement le passage de Timothée chapitre 1er au verset 12 est très important parce que Paul dit que c'est pourquoi aussi qu'il souffrait ces choses parce qu'il était en souffrance. Et premièrement parce qu'il était rejeté par son peuple, à cause de son appel, à cause de son message, et aussi parce que il prêchait une parole, un message qui dérangeait aussi les nations. Amen. Et donc il était en prison, il était beaucoup combattu. Et il dit qu'il n'avait pas honte. Hein. Il dit c'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
Voilà. Et c'est vrai qu'au vu de tout ça, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, notamment au Congo RDC, et nous avons besoin, n'est-ce pas, du Seigneur. Nous avons C'est plus ça. que besoin du Seigneur pour pouvoir, pour traverser cette situation, cette période difficile. Mais je crois aussi, Philippe, en même temps que, parce que le Seigneur me l'a promis, que le changement, bien sûr que seul Christ va apporter un changement radical, Amen. total, définitif, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au Congo RDC. J'en suis persuadé, parce que j'ai eu personnellement des visions, des Amen. songes concernant ce changement. Et je crois que, parce que Dieu est juste, Oui. hein, il est dit dans les Écritures que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Amen. Et Dieu est juste. Caïn, dans la Bible, a versé le sang de son frère, Abel, et on sait comment il a fini. Et je crois que le sang de Congolais crie jusqu'à ce jour, et de plus en plus. Et je crois que le Seigneur va rapidement, Amen. et plus tôt qu'on ne le pense, il va intervenir et rendre à chacun selon ses œuvres. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est nos frères congolais. Parfois, je me dis que voilà un peuple qui a au moins une partie de sa population qui est massacrée, mais il reste toujours dans la distraction. C'est incroyable. On a comme l'impression comme si on a été lobotomisé, en fait. Complètement. Et le Congolais a tendance à penser que tout va bien, en fait, tout est super. C'est la musique, c'est aller à l'église, faire des fausses prophéties pour certains en tout cas, Bien sûr. mais pas vraiment se focaliser sur l'essentiel. C'est-à-dire que ça fait des générations et des générations que ce beau pays, ce grand pays, n'a pas beaucoup évolué. On a vécu, on pense qu'il suffit de changer le président, tout va aller. Mais il faut peut-être préparer cet avenir. Il faut peut-être demander au Seigneur qui est-ce que l'on voit qui peut peut-être aider ce pays à avancer. Jamais j'ai comme l'impression qu'en fait, les gens sont là à parlementer, à discuter, attendent en fait les bras croisés que quelque chose se passe. Voilà. Ils vont commencer à dire que les autorités, il faut les chasser et tout ça. Mais quand le prochain viendra, on dirait que ça sera toujours le même cercle qui va commencer. Les gens ne prennent pas suffisamment conscience de voir, de regarder l'histoire, de regarder tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance du pays jusqu'à maintenant. En fait, de voir que la condition, en tout cas, de nous, le peuple Congo, le peuple du Congo, cette condition n'a pas varié, en fait, n'a jamais varié. En fait, tout simplement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est un peuple. Tu sais, c'est si tu veux manipuler facilement quelqu'un, un peuple notamment, il faut lui proposer toutes sortes de divertissements, Oui, de distractions. c'est ça. Et c'est exactement par ce biais que l'ennemi a réussi à lobotomiser ce peuple, Ah, c'est complètement. malheureusement. Et heureusement que c'est pas tout le monde, mais c'est quand même une grande majorité, une grande partie. À lobotomiser les gens au point où les gens ils pensent qu'à eux. Oui, ouais. Ils pensent qu'à Ils sont eux. centrés sur Ils eux. arrivent au pouvoir, Bien ils vont sûr. amasser, amasser, amasser. Bien Ils ne sûr. pensent pas aux autres. Bien sûr, en Europe, on voit aussi des hommes politiques qui amassent, qui prennent, qui volent. Mais il y a quand même ce côté où ils vont essayer de travailler pour le peuple et tout ça. Mais on pleure, on souffre. C'est vraiment un cri d'alarme ce soir. Hein. Ah oui, c'est C'est ça, face à c'est tout ce qui ça. se passe. Ah. Et on ne peut pas se taire. Peut pas Bien se taire. sûr, j'insiste bien sur le fait que nous ne sommes pas là pour faire de la politique. C'est pas de la Absolument politique. pas, Mais absolument pas. on ne peut pas non plus rester les bras croisés sans rien faire, sans rien dire, parce que nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Jésus-Christ a parlé de certaines choses concernant aussi son pays. Et, hein, quand on lui parlait d'Hérode un jour, on lui disait, va-t'en d'ici car Hérode veut te tuer. Il disait, allez dire à ce renard, voilà, je fais des miracles aujourd'hui, demain et après-demain j'aurai fini. Bien sûr, il disait que le royaume n'était pas de ce monde, mais quand même, il a eu à prêcher l'Évangile aux gens pour qu'ils changent de mentalité. Et je Exactement. crois que, honnêtement, la solution pour ce pays, d'abord c'est Christ, Oui. et Amen. beaucoup cherchent le Seigneur sérieusement, mais ils ont à leur tête des gens, notamment ceux qui sont des pasteurs, Oui. et qui sont, excusez-moi du terme, des voyous, Ben oui, hein, c'est donc des sûr. vrais Des voleurs, vrais voleurs. et qui ne pensent pas aux autres. D'ailleurs, ces églisettes que j'appelle, qui existent depuis des années, pour la plupart,
elles n'ont pas construit d'orphelinat, d'école pour éduquer les gens, parce qu'il y a aussi un problème d'éducation, en fait. Tout à fait. Donc, beaucoup ne sont pas éduqués. L'école est payante. Dès la maternelle, il faut payer. La primaire, il faut payer, tout ça. Donc, du coup, ben, beaucoup ne sont pas instruits. Ouais. Il y a ce problème-là, ce côté-là aussi. Mais nous prions et que nous prions que le Seigneur nous aide. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous aider. J'avais un passage que, en tout cas, en pensant au Congo, le Seigneur m'avait vraiment parlé de ce passage. C'est en Job 6, 14. Alors, Job 6, 14. Ok. Celui qui désespère a droit à la compassion de son ami, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Mm-hmm. Voilà. En fait, je me disais, parce que je pense souvent à la compassion, je me dis souvent, nous sommes tellement centrés sur nous que nous manquons parfois la compassion pour les autres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont pas la possibilité comme nous de manger à leur faim, de dormir à un endroit au chaud tranquillement, ceux qui du jour au lendemain voient des assaillants arriver, massacrer toute leur famille. En fait, cette compassion là, ça doit être, c'est pour moi, c'est ancré en chacun d'entre nous. Voilà, ça doit être notre moteur, justement, pour parler, pour crier, pour se dire, on ne peut pas se taire face à tout ce qui se passe. Voilà. Au Congo, il y a aussi ailleurs, c'est vrai. Mais je pense que c'est dans la logique des choses. Quand dans sa maison, il y a quelque chose, des atrocités, des choses qui se passent, il faut se lever et crier. Il faut faire quelque chose. C'est pas la politique, c'est vraiment dire, parler. Et donc, par rapport à cette parole-là, je me dis, oui, c'est ça. En fait, le Seigneur vraiment nous dit que celui qui désespère a droit à la compassion de son ami. Et ce peuple dans le désespoir, dans le déni. C'est ça. Dans le... Donc, ils ont droit à notre compassion, que chacun d'entre nous pense une seconde. Que ce n'est pas normal qu'il puisse y avoir 10 millions de personnes qui meurent et personne ne s'en émeut. 10 millions de morts. 10 millions. 10 millions. Voilà. Et je n'exagère pas sur le chiffre, puisque les ONG en parlent 10 millions et personne n'en parle. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc, c'est un génocide. C'est un génocide d'un peuple. Voilà. Et personne n'en parle. C'est ça qui est terrible. En tout cas, jeudi, frères et sœurs, on va beaucoup parler de ce qui se passe dans ce pays et ailleurs aussi en même temps. Donc je pense que de temps à autre, on va crier, on va sonner le chauffard, parce que l'objectif de cette chaîne, comme vous le savez, c'est d'éclairer, d'avertir, d'informer aussi nos frères et sœurs, les nations, le monde, voilà, sur ce qui se passe. Nous savons que nous sommes à la veille du retour de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et nous voulons dire à nos frères et sœurs que l'heure est à la prudence, à la prière, parce que le maître revient. Et je crois que toutes ces personnes, les auteurs de toutes ces atrocités vont payer. Amen. Ça, c'est ma prière. Seigneur, tu es juste. Amen. Justifie tes enfants, parce que dans cette nation, il y a quand même des gens qui prient le Seigneur sincèrement, Amen. Qui le cherchent, qui souffrent, qui sont violés, qui sont dépouillés, qui sont écrasés. Seigneur, tu es juste. Et ma prière ce soir, papa, pour cette nation, pour le Congo RDC, que tu justifie cette nation. Seigneur, il y a 7-8 ans, en Allemagne, tu m'as visité. Tu m'as dit, Seigneur, que je devais prêcher ta parole en Europe. Seigneur, je t'ai posé la question sur mon pays d'origine. Je t'ai demandé, Seigneur, et mon pays d'origine, par rapport à tout ce que cette nation subit, par rapport à tout ce que mes frères et sœurs subissent. Seigneur, tu m'as dit que tu allais t'en occuper. Tu n'es pas un menteur. Et ce soir, je te le demande, Seigneur, Père, notre Dieu, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, justifie mon peuple. Agis, Seigneur, à cause de ton nom. Tu m'as promis un changement, Seigneur, dans cette nation. Seigneur, je te le demande au nom de Yeshua. Tu vois ce qui se passe, ces hommes qui tuent, ces femmes qui tuent, et qui se croient éternels, qui se croient intouchables, invincibles. Seigneur, ce ne sont que des souffles devant toi. Seigneur, agis afin que ton peuple qui se trouve dans cette nation, comme Abraham a pu prier, que dans Sodome et Gomorre, Seigneur, il y avait ne serait-ce que un ou deux ou trois justes. Seigneur, agis à cause de ton peuple qui te prie nuit et jour. Agis par-dessus tout à cause de ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, regarde
tout ce sang qui a coulé, toutes ces âmes qu'on a tuées. Papa, pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur, notre idolâtrie. Et je te le demande ce soir en tant que ton enfant, ton serviteur. Seigneur, souviens-toi de mon pays. Je prie, Seigneur, avant la fin de cette année, je prie qu'il y ait un changement inattendu. Je prie qu'il y ait un bouleversement inattendu. Seigneur, comme Job 5 le dit, tu confonds les sages dans leurs ruses. Seigneur, que les projets des gens de ce monde, de cette nation, que le projet de ceux et celles qui sont à la base de cette tuerie, Seigneur, soit complètement anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens devant ton trône te présenter la RDC. Seigneur, depuis des années, je te sers malgré les épreuves, malgré les combats. Et je viens verser, répandre mon cœur devant toi pour cette nation. Je crois que tu vas nous surprendre. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, je te le demande, Père. Amen. Amen. Voilà, mes amis, à demain, 20h30, demain 19h, heure de Paris, pour votre programme de formation avec le centre de formation Didasco. Voilà, c'est deux soirées d'enseignement sur le gouvernement mondial. Merci encore pour vos prières, pour votre soutien. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, merci à l'équipe technique. Au revoir, à bientôt.